Salut mon Jackie. On va déjeuner? Réactif ou pas ce matin? Ça, mes risques et périls, hein, je vous le dis direct. Parce que Jack, c'est THE chasseur. T'es pas chassé pêche ce matin? Si, il faut pas déconner Magnifique ce matin. Je vais quand même fermer la fenêtre parce que ça caille. Hein, bébé, je ferme la fenêtre. Hein. En plus, tu sors de la douche, hein, ça caille. Coucou, je vous reprends de face. Il est 10h30. On va partir, je vous en ai parlé, à Bourges. D'ici, je pense, un quart d'heure. Eric est parti mettre de l'essence. Je vous avais dit, on y était déjà allé l'autre fois, c'était à 2 heures à peu près de route. Mais apparemment, sur la route, là, il y a plein de travaux. Notamment, on prend l'autoroute, on ne pourra pas aller à 130, donc 90. Et vu qu'il faut être à 13h30 pour quelque chose d'assez important. Voilà. Et peut-être faire du repérage, du shopping, ce genre de truc. Un bébé, ça. Voilà, donc bah, on va pas tarder. On vient d'arriver à Bourges, il fait très beau et pour changer, j'ai super envie d'aller aux toilettes. Il est l'heure de 12h40, on est bien arrivé en avance. On va chercher un truc, je pense, à grignoter. Est-ce que t'as faim un peu? Non. Non? Il y a un petit café qui a l'air très sympa d'ailleurs. Si on pouvait éviter de manger dans le coffre ce midi. 14h l'ouverture, bah c'est bien. Tu vas pouvoir y aller cette fois-ci. Il serait temps. Ton petit magasin de musique. C'est l'endroit où je voulais venir. Ben voilà, nickel. Putain, il est beau là, rempli. Ah, très bien, merci. Ben voilà, nickel. Nickel. Exactement où je voulais aller. Je vais aller aux toilettes. Oh, merde. Ouais, c'est bruyant, bah ouais, mais en même temps, regarde, il y a la route qui est juste là. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais... Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris des truffes, des ravioles aux truffes après. Avec un gratiné de mozzarella. Tartuffe. Oui. Ce que je viens de manger, c'était exceptionnel. Une belle départ, j'ai jamais mangé ça. Donc des ravioles aux truffes avec gratiné au-dessus. Vous avez eu de mozza, je crois. Excellent. Une chaleur. Et j'ai craqué sur un café gourmand. T'avais soit deux petits desserts ou quatre petits desserts, à votre avis? Ou les fruits rouges? Un cake citron chocolat, une boule de glace crumble fruits rouges et un amaretti pistache, un biscuit italien aux amandes. Super, merci. Alors j'ai laissé Eric son magasin de musique. Moi je vais chez... C'est chez qui là d'ailleurs? Je n'ai pas le nom. Pinky? Non, je sais pas. Attends, est-ce obligé de regarder l'étiquette? Non, je suis chez H&M. Changeons nos habitudes. Alors, qu'avons-nous? Ah, oh, j'adore les manches comme ça bouffantes. Bon, je suis sortie de chez H&M, j'avais pas vu tout à l'heure parce que je suis rentrée par là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai trouvé quelque chose. Il s'est encore passé quelque chose. Je sais pas si c'est moi ou si je fais des fixettes, mais franchement, par rapport, vous savez, la dernière vidéo où il y avait le gamin qui hurlait, que sa mère va s'en foutre, là c'était autre chose. C'était un gamin, donc je vous dis, le gamin il va avoir franchement 6 ans, avec 7 ans à tout péter. Et bien il tapait sa mère. Et en gros, il a menacé l'ouverture parce que tu vas prendre ce soir, mais très sérieusement. Et de côté, il ne se passe rien. Le gamin est pris le dessus. C'est affolant, affolant. Oui, donc je vais rejoindre Eric parce qu'il avait l'impression que ça lui. Il était déçu que je ne vienne pas avec lui au magasin de musique, donc j'y vais. Bonjour. Il y a un monsieur qui est là-haut. Je devais le rejoindre. Ouais, il est là, genre, je l'entends. Et c'est avant d'arriver chez les Mexicaines, en fait, Fender, où il y a cette salle. Ouais, ouais. Non, je suis impressionné. Donc, elle est belle, hein, par contre. Au niveau de Squire. Bonjour, je suis avec elle. C'est ma compagnie. J'ai pris une Fender mexicaine. T'as déjà fini, toi? Oui. Bah, oui. J'avais l'impression que tu voulais que je vienne tout à l'heure, que ça te faisait plaisir. Oui. Donc, je suis venue, et tu sais quoi, en fait, j'ai regardé le centre de Bourges, c'est pas si étendu que ça en termes de magasin. Je t'avais dit. Et j'ai demandé à des petites jeunes et elles m'ont dit non, il faut aller s'excentrer, il faut partir en voiture et tout. Bon, comment? Moi, je fais une bosse. C'est celle-là. Ah ouais? Et t'en as une rouge comme ça, non? Alors, non, moi, c'est une guitare, mais là, tu vois, j'aurais besoin de ça. Si je devais... Ça, c'est la. La Fender? Alors, ça, c'est la Squier, qui est la sous-marque de Fender. T'as la version Squier et t'as la même. Tu vois que c'est la même? Ouais, ouais. Ah, à part la couleur. Qui est version, là, Fender. Donc, ça dépend du film. Ok.
Attention à la marche. Oh, tu es tellement prévenant, ma petite. Mais la dame, elle me prévient tout à l'heure. C'est vrai? Le mur en l'air, c'est ouh, la lune va finir très prête. Alors, sinon, il y a ces amplis-là que j'aimerais bien. Ouais, les Vox. Vox. Alors, il y en a tous les prix. Oui, je voudrais essayer le Vox. D'accord. Hein, pour changer de son. Fais attention, c'est... tu appuies toi sur moi. On va descendre. Ça y est, on est perdu. Ah non, bah regarde, c'est bon, je l'ai, viens là. Tu vois, t'allais te planter. Là, en face, attendez, je vous montre, par là que nous sommes arrivés. Donc c'est pas ici, mais c'est là. Tout droit. Non, pas du tout, c'est là, tout droit, on est arrivé de là. Tout droit. Ah ouais, mais bon. Tu as peut-être raison, c'était par là. Tu sais ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu veux que je te dise? Mais un gamin, c'est un gamin. Je te dis, c'est le parent que je mets en... Mais si, il insulte sa mère, il doit avoir 6-7 ans. Il est en train de lui mettre des coups de pied. Il lui a dit, tu vas voir ce que tu vas prendre ce soir. Mais très sérieusement, mais à sa mère. Que son père. Enfin bon, c'est aux parents de dire non, c'est bon, tu te mets à sa hauteur, tu dis première, dernière fois. C'est le mec qui perd sa bonne femme, le gamin, il aura fait une corne. Bon, on a retrouvé la voiture. Oui, nous sommes rentrés. C'est trop chaud, on n'est pas resté longtemps, on s'est... On est parti. Oui, non, mais toi, faut que tu attends encore un tout petit peu. Eric est en train de laver, il y a eu une vitre de cassée, pas chez nous, mais il y a de la vitre devant chez nous, donc on l'enlève. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, c'est trop mignon. Chez H&M, il s'agit d'un petit pull que je n'ai pas essayé, mais bon, on se connaît quand même, on sait plus ou moins ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Je trouve tellement bien, enfin super joli, coupé. Je crois qu'il était sur un modèle, enfin sur un mannequin en plastique, là, ça. Petites épaulettes comme ça, c'est adorable. Il est trop mignon, 29,99€. Là, il fait beaucoup trop chaud. Franchement, j'ai pas le courage d'essayer. Et il y a eu un avis de passage. Qu'est-ce qu'il a? Il a nettoyé deux trucs, ça y est, il en peut plus. Je monte, je vais faire du montage parce que demain, je repars. Ouh, je vais à Blois. On se pose un petit peu, je reviens vers vous. De toute façon, on va pas faire long feu. On est fatigué, la route, la chaleur. Pour changer nuit blanche, pas dormi, je n'ai pas dormi cette nuit. Le fameux, vous savez, avis de passage, je sais ce que c'est. Et j'ai tellement hâte de le tester et de vous faire un retour. Parce que si ça fonctionne, c'est du lourd. Pour vous faire le petit teasing, en fait, c'est un appareil que tu vas venir, ça a été posé, c'est un dispositif, voilà, que tu vas poser sur tes yeux. Ça va donc bien évidemment soulager tout ce qui est tension, surtout quand tu fais beaucoup d'ordinateurs. Ça peut soulager les migraines, donc ça c'est énorme. Tout ce qui est névralgie faciale parfois, côté droit, côté gauche. C'est quoi les... Ah oui, donc ça va venir stimuler également des points d'acupuncture, donc également stimuler le collagène. Tout ce qui est cerne, tout ce qui est poche, tout ce qui est... Enfin, ça va venir en fait chauffant par des actions chauffantes. Je pense que ça, voilà, ça doit être massé. Et en tout cas, dans mon cas, précisément, très souvent, j'ai mal à la tête, j'ai des points, voilà, de pression. J'ai super hâte de le tester. Je pense, ah ouais, c'est ça qui s'est passé, parce que la marque a dû tomber sur une de mes vidéos, j'en sais rien. Et m'a demandé si ça m'intéressait, mais carrément. Alors, j'ai bien regardé avant. Avant d'accepter, je leur ai posé plein de questions. J'ai regardé déjà, c'était la base. Faut pas que ce soit du dropshipping, faut pas que ce soit tout ce genre de choses. Donc non, c'est ok. Et bah, je pense que c'est demain. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs choses qui attendent là que je dois recevoir, mais je pense que c'est ça. Parce que si vous êtes également dans mon cas et si ça fonctionne, alors on est d'accord. Je vais l'essayer de mon côté. Je vous en parle une fois que il y a vraiment un petit retour. Ça sert à rien, tu l'essayes une fois, ouais, c'est génial, ou alors non, j'ai rien reçu, on est d'accord. Comme je vous disais, on est un peu explosé, donc là, je vais descendre, préparer à manger. Il est quelle heure? Ah ouais, déjà, 19h06, bah, j'ai bien avancé sur le vlog, comme je vous disais, demain, je pars à Blois. Donc ça va être compliqué, c'est demain matin pour finaliser tout ça. Et bah, je vais terminer ce vlog maintenant, court encore, mais je sais pas si vous préférez... Alors, de toute façon, même si vous préférez des vlogs longs, pour le moment, je ne peux pas. Toujours ce problème de fibre, très clairement. Je comprends, la fibre devait arriver en mars. Il y a eu ce qu'il y a eu, Covid, ok. Mais là, c'est silence radio. Silence radio, il n'y a rien. Donc, et j'ai même envie de vous dire que le débit est de plus en plus catastrophique.
je peux mettre des 3-4 heures de téléchargement, c'est pas possible. Je vais me renseigner quand même. Tout ça pour vous dire que je vais terminer maintenant ce vlog. Ah non, je vous demandais, putain, je me mélange, si le fait de faire des petits vlogs comme je fais assez court, donc entre 8, 11 minutes max, ça vous va, parce que c'est vrai que moi, idéalement, j'aimerais bien faire des vlogs un peu plus longs, mais pour le moment, c'est pas possible. Peut-être dans les mois à venir. Je vous fais un gros bisou, je termine ça et je vous remercie encore une fois de me regarder jusqu'au bout. Allez, à plus, peut-être demain. Salut.